Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue, ici Jake sur Ivasand Studio. Petit stream de soir sur Two Point Hospital, on avait fait le premier niveau la dernière fois. On va enchaîner avec le deuxième niveau, le deuxième hôpital. On va voir comment ça se passe. Et là j'espère avoir chargé la bonne partie en vrai. J'ai un doute, oui c'est bon, c'est la bonne partie. Alors, la dernière fois, on était sur Oxport. Il y a eu les 3 étoiles sans trop de difficultés. Ça allait. On va attaquer le deuxième hôpital, Lower Bullocks. Voilà. On y va tranquillement. On va voir ce qu'il faut faire. En espérant atteindre les 3 étoiles, là aussi, sans trop de difficultés. On va voir. Au fur et à mesure du jeu, ça se complique vraiment beaucoup, mais là, on va voir. Alors, que nous dit-on? Qualification du personnel. Bienvenue à Lower Bullocks. C'est un charmant petit village qui a un gros problème. Une grande proportion des habitants se prend pour des rockstars. Il n'y a qu'une seule solution pour les guérir, la psychiatrie. Seuls les docteurs qualifiés en psychiatrie pourront diagnostiquer et traiter les patients en salle de psychiatrie. Nous avons réussi à en trouver un, mais vous devriez ouvrir l'œil lorsque vous recrutez des docteurs pour en trouver d'autres qui soient qualifiés en psychiatrie ou dans différents domaines. Objectif numéro 1, construire une psychiatrie. Hop là, on met pause direct. On a un médecin qui est là, on a un agent déjà d'accueil qui est là, on a déjà un agent de maintenance aussi. On va jeter un œil sur leur profil. Le docteur, on voit qu'il a une compétence en psychiatrie de niveau 1. Il a une compétence en diagnostic de niveau 1. On n'a pas encore d'infirmier. L'assistant d'accueil, l'accueil. Il a une intelligence émotionnelle, voilà. Service à la clientèle de niveau 1, ok. Et notre agent de maintenance peut capturer des fantômes et a une première compétence en mécanique, mais pas en traitement de déchets, tout ça. Bon, il va falloir y remédier. Il est déjà pas content, quoi. Le jeu commence, il a déjà son... Il est déjà pas content. Dommage. Est-ce qu'on a, par contre, le détail de leurs compétences enfin, genre, s'il est feignant, s'ils sont rapides ou pas. Plein d'énergie, content, bourreau des cœurs, dégoûtant. Ah, mon médecin est dégoûtant. Ça, c'est pas cool. Donc, faudra penser à changer de médecin plus tard. Ensuite, on a... un agent de maintenance qui est ennuyeux. Il est motivé, mais il est ennuyeux. Ça, c'est pas cool. Ça va réduire le bonheur. Et là, amusant et charmant, on a un très bon agent de maintenance. Ok, mais il faudra changer l'agent d'accueil et le médecin. Est-ce que c'est possible de le faire de suite? Oh! On verra après. Alors, peu hygiénique, déteste... ouais, mais là... ah, il est pas cher, hein? En vrai. En vrai, on va prendre Félix Biscotti et lui, on va le virer. Désolé, je suis vraiment désolé, ça me crève le cœur de dire ça à chaque fois. Mais... hop là, voilà. Ensuite, côté docteur. Oh, ah, mais il est mal appris. Mais il a plein de compétences, lui. Mais il est mal appris. Et il motive les autres, par contre. Il sème ses déchets dans l'hôpital. On va le prendre quand même. De toute façon, des médecins... là, il y a une salle de généraliste. Mais on nous dit directement de construire une salle de psychiatrie. Elle est où? Elle est là, la salle de psychiatrie, je l'ai pas vue. J'aime pas trop cette salle de généraliste en plein milieu, là. Elle me dérange. Il y a déjà un petit bout de construit, ici. On a quelques sièges. La salle, ici, me dérange, hein, clairement. J'ai pas vu si on pouvait acheter des terrains. On va vérifier ça plus tard. Hop là. On va faire un design de salle de psychiatrie un peu joli. Voilà. On va mettre un classeur. On va y mettre de l'eau. On va y mettre du café, ça va les motiver. Hop là. On va y mettre un ancien poste de radio, tiens, ça sera joli. Petite musique douce en pleine séance, c'est bien ça.
Un gramophone, non. Un foyer? Oh, j'ai presque envie de l'acheter, ça. La petite cheminée, là. C'est tentant. Il y a un paravent. Il y a des choses que, sur mes parties perso, je ne connais pas. La lampe. Ça aussi, je l'avais pas de l'autre côté. Et là, par contre, il y a deux choses hyper intéressantes. Une bibliothèque de diagnostic. C'est pas juste pour faire joli, hein. Ça permet aussi d'avoir des diagnostics plus efficaces. J'ai 425. Là, ça ferait 375. Ces deux choses. 600. Le paravent, il est chouette. Mais c'est qu'un objet décoratif. Et la lampe. Ah, la lampe. J'ai envie de prendre la lampe. On va la mettre là. Et on va prendre. Il me reste 350. J'ai quand même envie de prendre la. Ouais, mais là en plus. Allez. C'est joli. C'est ridicule. Bon. Les prochains trucs à acheter, quand même, ce sera des bibliothèques de diagnostic et de traitement. Et l'armoire à pharmacie. C'est important. Machine à chocolat aussi, c'est important. La bibliothèque tout court aussi, c'est important. Mon dieu, j'ai tellement de choses à acheter. Bon, on remonte. Je voudrais une salle de psychiatrie niveau 4. Pour l'instant, elle n'est que de niveau 3. Le spam de posters, ça peut vite augmenter, mais... le niveau, mais c'est pas cool. J'ai pas tant de posters que ça, en vrai. On va prendre la tête de lion. Ça augmente pas beaucoup le niveau. Hein. Pas beaucoup, beaucoup. Le chien, au-dessus du poste radio, là. Ouais, pas ouf. Je vais éternuer, pardon. C'est bon, ça va mieux. À mes souhaits. On va mettre des canards. Mais plus de ce côté-là, les canards, peut-être. Non ? Je sais pas où les mettre, les canards. Avec la lampe, tiens. On est niveau 3 presque ennemi, mais c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. On va mettre le chien de bienfaisance. Ici. C'est pas ouf. Est-ce qu'on met une plante? On va rajouter une plante. Mais où? Le milieu là? L'implante en plein milieu? Ce serait original. C'est un peu nul. Hein. J'ai quand même envie de le faire. Et après, je mets des trucs nuls, mais à remplacer peut-être plus tard, parce que là, je vois pas. 1, 2, 3. Et 5, voilà. Une salle de psychiatrie niveau 4. Parfait. On va y mettre des bancs. Voilà. Et là, on peut appuyer sur play. Nouvelle technologie. Ah. Une proposition intéressante. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On peut nous envoyer des patients en psychiatrie ici. Et en échange, ils nous donnent des technologies. Il nous faut une licence de recherche. D'accord. Faire passer l'hôpital au niveau 3. De toute façon, j'ai besoin d'un minimum de salles de diagnostic. Donc généraliste, diacre général, etc. Ça, c'est obligatoire. Donc, on va faire une salle de généraliste. La salle du milieu, elle va dégager. Je le dis de suite. La salle du milieu, elle va dégager. Cette plante-là, on va la mettre par là. Les bancs ici, ça bouge. On va les mettre en bordel pour le moment. C'est temporaire. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Oui, il va en psychiatrie, oui. Normalement, les bancs, là, c'est du bordel. C'est fait exprès, c'est volontaire. C'est juste que je vais bouger des choses qui ne me plaisent pas. Hop là. Voilà. Maintenant, on peut s'attaquer à une deuxième salle de généraliste qui sera en vrai la première, parce que là, celle-là, elle sera détruite. Hop là. Alors. Ici, le classe. J'ai dit le classeur, merci. Oh, la petite table. Non, c'est nul. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, une balance. La balance, c'est utile. On peut y mettre du golf. C'est parce que je trouve ça très drôle, c'est tout. Ensuite, on va y mettre du gel hydroalcoolique. C'est important. Du café. C'est très important, le café. Le café. Surtout chez les médecins. C'est important. On va y mettre un poste radio vintage. Voilà, niveau 3. Maintenant, il faut augmenter niveau 4. On va y mettre un miroir rigolo. Ou pas. Allez, si. Un tapis ? C'est pas centré. Wow, le tapis, il augmente vite le truc. Une deuxième balance ? Ah mais ça, c'est que décoratif par contre. Et là, ça va être que les posters, hein. On va remettre une tête de lion au pire, mais... J'ai le droit de la mettre au-dessus du... Non, c'est le droit. Qu'est-ce que je mets? On va mettre une petite statue. Ça, par exemple. Eh, ça augmente pas de beaucoup, hein. J'aimerais bien avoir une salle généraliste niveau 4, en vrai. Mais bon, on va laisser comme ça pour le moment. On se souvient qu'il faudra faire ça, augmenter le niveau de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Une pharmacie, on attend. On appuie sur pause. Toi, au revoir, on vend. Et on va copier cette salle. Et on va la mettre là. Ensuite, on prend les bancs. On va la mettre là. On va bouger les bancs ici. Pardon, excusez-moi. C'est pas droit, ça. C'est pas très droit, ça. C'est pas droit du tout, même. Voilà, je préfère ça. Tac. On va prendre ces deux-là. Ah, ils ont mis un extincteur ici. Parfait, c'est tranquille. Ok. Ensuite, cette plante, on la prend. Elle va aller ici. On va faire du parallèle. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un distributeur de boissons? De soda. Le distributeur de soda, on va le mettre ici. Le distributeur d'Anka, on va le mettre ici. Le reste, on verra plus tard. On va faire une deuxième salle de psychiatrie parce que il va y avoir des urgences en psychiatrie de toute façon dans ce niveau. Voilà. Et maintenant, on s'occupe des salles de diagnostic, etc. Donc, on a besoin de pharmacie. pharmacie, salle de diag, etc. 3 par 3. 1, 2.
1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais peut-être pas les mettre côte à côte. On va faire ça. 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 Le classeur. La boisson. L'extincteur, c'est hyper important. On est sur une machine. On va mettre deux. Parce qu'un extincteur utilisé est un extincteur poubelle. Ça, c'est... faut le retenir. Le café, on va le mettre par là. Vivement que j'ai la monnaie pour acheter l'armoire à pharmacie. Bon, ça c'est niveau 2. On va laisser comme ça. On va faire une salle de diagnostic général. 1, 2, 3. Voilà. Un classeur. Une balance. De l'eau. Deux extincteurs là aussi. Du gel hydroalcoolique. Je l'ai mis là le gel ? Oui, je l'ai mis. Du café. Et après le reste, on... Bien sûr. Non. Voilà. Maintenant, on met des bancs. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Et il nous faut embaucher des infirmiers, oui. Il coûte cher, elle coûte cher, mais elle a de bonnes compétences. Et l'autre, on verra plus tard. Allez, play. Maintenant, on va construire des WC. Nouvelle technologie. On peut améliorer le mélangeur de médicaments. Parfait. Et le diagno facile. Parfait. C'est ce que je viens de construire. Un agent qualifié en mécanique, j'en ai un. Voilà. Donc, on peut... améliorer ça. Tac. Et améliorer ça aussi. Mais ça, on verra. D'abord ça, après ça. Parce que l'argent... une amélioration, c'est 10 000. La deuxième, je crois que c'est 20 000. La troisième, je sais plus. Je peux pas m'avancer pour dire que c'est 30 000. J'ai dit quoi ? Oui, les WC. Je construise des WC. Et une salle de repos. Et une salle de repos. Alors tout ça, ce que vous voyez là, c'est des salles que j'ai pré-enregistrées sur une autre partie. Et le petit panneau, c'est pour dire qu'il y a des items là-dedans que je ne possède pas encore dans cette partie-là. Par contre, je peux faire des WC. Voilà, on va pas s'embêter. Allez, c'est des gros WC, hein. J'aurais voulu les mettre en plein milieu en fait, mais ça va pas le faire. Je vais pas les mettre en plein milieu dans ce cas, je vais les mettre ici. Ouais, on va les mettre là. On verra bien. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Salle commune ! Oui, on va la construire. Qu'est-ce qu'il me dit ? Gagner 100 000, très bien. Une salle commune. Est-ce que j'ai une salle commune déjà prête? Là, non. Là non plus. Donc, faut la construire de toutes pièces. J'aime bien les salles communes. Est-ce qu'on peut acheter... J'y pense, là. Ce que je voulais voir tout à l'heure. D'autres extensions. Oui. Ça se voit sur le terrain.
Ça, c'est mon bâtiment 1. Là, j'ai un bâtiment à 50 000. Oh, il est cher. Mais il est grand. 74 000. Ah. Problème. 23 000. 25 000, pardon. On va la prendre. On va le prendre celui-là. Et quand ça sera construit, je ferai la salle commune de l'autre côté. Et la salle de repos. Je la ferai peut-être par là, la salle de repos. Il se barre. Il a pas fini et il se barre. Ah, j'ai plus ce qu'il faut là. Et les médecins. Hop là. C'est construit? Oui, ça y est, c'est construit. Ok, la salle de commune. Est-ce qu'on la fait grande? Est-ce qu'on la fait pas grande? On va la faire ici. Ici, c'est pas mal. C'est très grand ça quand même. Hein. C'est pas grave. Hop. Et là, on va enchaîner. Ça fait combien de lits? 6 lits. Je peux en faire 7. Mais du coup, j'ai qu'un paravent. Non, on va laisser juste 6 lits. On va laisser du 6 lits. On va mettre un deuxième paravent. On va mettre un petit casier. On va occuper la chose assez jolie. De manière assez jolie. Un classeur. Une balance. De l'eau. Mais l'eau, je peux pas mettre le café. Sauf si je la mets en plein milieu. Mais c'est nul. Quoique. C'est temporaire. C'est temporaire. Du gel hydro, oui, c'est important. Ah, la machine à café. Et après tout le reste, oh, 400, 125, c'est le moniteur est hyper intéressant. Bon, ça ira pour cette salle. J'ai combien de d'infirmiers? Zéro, hein. J'ai qu'un infirmier. C'est pas bon, ça. Allez, deux. Là, pareil, c'est du temporaire aussi. Les bancs, ils vont être amenés à bouger de toute façon. Alors, par défaut, c'est bien. Enfin, par défaut. Idéalement, il faut mettre des WC dans tous les bâtiments. Donc, voilà. Et les WC ont les besoins de mieux. Nouvelle technologie. La séparacerole. D'accord, on a une nouvelle salle à construire par la suite. Chair de poule, pharmacie. Nouveau bâtiment, bah c'est bon, c'est fait en fait. Éléments, alors il faut donner à manger aux gens. Donc ici, on va leur mettre du healthy. On va mettre des carottes. On va mettre de la boisson.
Voilà. Pas mal tout ça. Et ce banc, il sert pas à grand chose. Voilà. Ah oui, la salle de repos, j'ai oublié. Je vais la faire ici, la salle de repos. Et vu qu'il a faut la faire de toute pièce, de toute façon. C'est un peu serré, hein. Mais c'est pas grave. Voilà. Remettre du golf. Ils adorent le golf. Tu vas comprendre. On va leur mettre des carottes. De l'eau. Du café. Et pas mal. Niveau 3. Un téléphone. Il n'y a plus de place, hein. Allez, ça ira. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut un labo marmiton. On va le faire. Un labo marmiton. On va le faire. Ok. Pause. Alors, labo marmiton. Est-ce que j'ai de quoi ici? Il me manque des choses. Ok. Bon, on va falloir le refaire de toutes pièces. 4 par 4. C'est pas ici que je vais le faire. On va faire ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ben, on va le faire là. Hein. Au pire, on bougera des choses plus tard. Hop là. Et là, on remet les habituels. Un extincteur. Deux extincteurs. Le gel hydro. Le café. C'est pas mal. C'est que niveau 2 par contre. C'est pas ouf. Je sais pas quoi. Bon, ça c'est du temporaire, comme à chaque fois. Hein. On va faire en sorte. Voilà, niveau 3. Et là, on met des bancs. Par contre, je pense qu'il va falloir que je recrute de nouveaux médecins. Parce que le labo marmiton, c'est un docteur qui l'utilise. Alors, oh! Un psy. Allez, on prend ça. Et je voulais infirmier. Les infirmiers, il n'y a pas beaucoup là. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? La clinique super luxe. Allez, on continue. Le super luxe. Je l'ai pas préparé. Ok. 21 100 minimum. Bah, j'ai pas l'argent. J'ai déjà plus d'argent. Au secours. Pause. J'ai l'argent. On a dit que c'est du 3 par 3. Bon, on va la mettre là alors. Ah, quoique. 1, 2, 3. 2, 3, 4. Ah, ici, ça ferait une bonne salle de généraliste ou psychiatrie supplémentaire. Donc on va faire la super luxe ici. Voilà. Et on ajoute tout ce qu'il faut comme d'hab. Extincteur. Je suis pas sûr de pouvoir mettre le café là. Bon, c'est temporaire ça aussi. Hein.
Mais là, par contre, maintenant, j'ai besoin de nouveau de banc. Voilà. C'est pas mal. J'en ai pas mis, là. Si, j'en ai mis. Allez, ça va être le premier déficit. Qu'est-ce qu'on me dit? Une promo? Pas de suite, hein. Coûte cher. Pour l'hôpital, une étoile, je viens de le voir. Faites passer l'hôpital au niveau 6, c'est bon. Avoir deux bâtiments, c'est fait. Et guérir trois patients de marmiton, c'est fait. Voilà la première étoile. La voilà. Félicitations, le ministère de la Santé a attribué une étoile à votre hôpital. Vous êtes comme l'éclair. Vous avez fait taire votre détracteur. Il y a une faute d'orthographe là. Il y a une ou des fautes d'orthographe. Votre détracteur avec un S. Vos détracteurs, mais pas votre. Bref, en frappant une deuxième fois. Tout le monde vous félicite pour vos initiatives en matière de fonctionnement intérieur des machines et de l'esprit humain. Maintenant, consacrez-vous à votre empire à deux têtes, ou ajoutez une troisième tête en ouvrant un nouvel hôpital à Flottering, car on ne peut pas vraiment parler d'empire pour l'instant. Non, on reste ici. Et on vient de débloquer de la cardiologie, le super luxe de niveau 2. De l'argent et des culoches. La super luxe, elle est là. On va augmenter le diac par contre. J'aimerais avoir un autre agent de maintenance clé à molette parce que lui, il est pas cool. Donc, personnel, j'ai 5 docteurs, dont plusieurs en psychiatrie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 salles de docteurs pour 5 personnels de docteurs. J'ai. Ça, c'est une salle infirmière. Donc, 1, 2, 3. 3. 3? 3. D'accord. Bon, mais maintenant, faut attendre. Pour l'hôpital niveau 2, il faut monter l'hôpital. Pour l'hôpital 2 étoiles, il faut monter l'hôpital au niveau 8. Il faut acheter un troisième bâtiment et améliorer des machines. Donc, j'ai bien fait de pas l'améliorer de suite, ça là. Nouveau défi, gagner 200 000 d'argent. Voilà, comme ça, améliorer les machines, ça sera fait. Ah, encore une mauvaise clé à molette. Zut. Et des poubelles. J'en ai pas mis là-bas des poubelles. Hop là. C'est important les poubelles. Divertissement, on va prendre le téléphone. Je sais que les patients adorent le téléphone. Voilà. Est-ce que je peux mettre du téléphone ici aussi? Oui. Voilà. Voilà, mettre pareil ici. Ok. Les chewing-gums. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une urgence, pharmacie, de la diarrhée verbale. Diarrhée verbale, c'est juste dire vous raconter de la merde. Clairement. Voilà ce que ça veut dire.
Ah, enfin une bonne clé à molette. Cool. Il est un peu plus cher, mais il fait plus de choses. Non, j'ai pas le temps de le recruter. Bon. Première année terminée. Donc, selon les prix. Oh, quasi tous les prix. Trop cool. Et zéro mort. Très bonne première année. Guérison 90%, réputation 69%, morale du personnel 64%. Ça, c'est dû au niveau des salles notamment. J'ai pas beaucoup de décoration au sein de l'hôpital en plus. Guérison 37, bénéfice 102 743. Valeur de l'hôpital 444 811. Il y a la politique machin que j'ai pas modifié, ça, dis donc. Hop là, voilà. C'est bon, c'est modifié. Allez, la sauvegarde. Il va falloir une deuxième réception. C'est rigolo, en diagonale. Et je voulais embaucher la clé à molette. Ah, il y aura peut-être encore une clé à molette. Oui, mais c'est nul. Et un deuxième assistant. Non. Oui. Oui aussi, mais il coûte beaucoup plus cher. Salle commune, mono-sourcil, si tu veux. On a un VIP qui va arriver. La requête du personnel de gagner 200 000 en 90 jours est très tendue. Hein. Je vais pas la voir. 32 650 encore. Il reste 8 jours, 7 jours. Ah, il faut que j'embauche d'autres médecins. 26 000, 25 000... Et dommage. Dommage. Une promotion. Coutière aussi. Dommage, j'y étais presque. Patient, la pharmacie. Il y a eu un échec. Oh, oh, oh. Ça, c'est pas cool. Je vais. Oui, c'est pas cool du tout. Il me faut plus de personnel de maintenance. Hein. Ça, ça doit pas arriver, ça. Voilà. Et des médecins, on m'a dit. Il y a un problème chez les médecins. Qu'est-ce qui se passe? Il me manque des médecins. Bah non. Enfin, il me manque, oui, peut-être un. Bon. On va voir le candidat d'en bas là. Ouais, allez, on prend ça. Ok. 4 des 5 patients, pas mal. Enfin, pas mal. Oui, vite fait. J'ai combien d'infirmiers? J'ai que 3 infirmiers par contre. Hein. Et il faut que j'achète un autre bâtiment. 75 000. 50 000, bon bah, j'ai pas le choix. Posséder une salle de repos au niveau 4. Ah, la fameuse salle de repos au niveau 4. Tiens donc. On va la spammer de posters parce que j'ai plus de place. Peu proche quand même. Ah, je peux pas les mettre où je veux. Ah là oui.
pis, hein. C'est pas beau, hein. C'est dégueulasse, mais pour le niveau 4. Hein. Voilà. Salle de repos niveau 4, avec que le même poster. C'est de la triche? Oui. Mais objectif réussi. Attention, le bâtiment. Ah, c'est pas encore. Et voilà, un nouveau bâtiment tout neuf. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une promotion. Ok. Ça manque de poubelles quand même. Pour l'instant, ça va. Mais dans les niveaux d'après, ça sera pas la même chose avec les poubelles. Hein. Ah, encore un décès. Niveau généraliste, ça se passe bien. Niveau psychiatrie aussi, c'est pas trop la galère. J'aurais bien doublé de salle ici, mais... Si je double des salles, le truc c'est qu'il faut recruter du personnel quoi. Est-ce que c'est urgent de recruter du personnel maintenant? Ah, il regarde quand même la télé. Y'a quoi la télé? Rien du tout. Comment être hypnotisé quoi? Magnifique. Il est bloqué? Mais non. Non, non, il est pas bloqué. Ah, il change. Maintenant, il va sur le canapé. Combien j'ai d'agents de maintenance? 3. Quels sont l'état des machines? Ok. Oh là, oh là, oh là, il y a du... Ok, bon, il y a quelqu'un pour nettoyer. Ça, c'est des traces de fantômes, ça. Bah déjà dans le nouveau bâtiment, je peux au moins mettre les toilettes. Toujours utile. Je sais pas où les mettre par contre. On va les mettre là. Qu'est-ce que me dit le VIP? Qu'est-ce qu'il dit? Œuf, jus d'ananas, carotte, cheese, gibbons, œuf, bâtonnet de poisson. Mais c'est sa liste de courses. Il arrivera bientôt. Ah, il n'est pas encore arrivé, ok. Drôle d'énergumène, ça aussi. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rajoute deux salles de généralistes? J'ai bien envie, hein. Ah, oui, c'est la galère chez les généralistes. Allez. Tac. 4, ça rentre. 4, ça rentre. On va les mettre là. Bah, j'ai mon étoile. La deuxième étoile. Félicitations. Au bureau, même les plus optimistes ont parié que vous feriez beaucoup moins bien. En vous développant, vous augmentez le nombre d'assiettes à faire tourner et vous avancez vers votre inéluctable chute. Mais bon, mieux vaut ne pas y penser. Je débloque un niveau supplémentaire pour la salle de la les casseroles, là. Je gagne 20 000 et 150 kudosh. Ça, c'est chouette.
On copie la salle. On pose la salle. On appuie sur pause et on recrute du généraliste. Oh punaise, il est bien lui. Il est un peu ennuyeux, il coûte très très cher, mais waouh, il a des compétences. Hein. Oh, ils sont tous pas ouf. Ah, c'est dommage. Tout ce qui est pas ouf, je les enlève. Alors, des bancs. On rappuie sur play parce qu'en attendant, l'hôpital doit tourner. C'est mal mis. C'est très mal mis. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit ? Tête d'ampoule. Ah, urgence à la tête d'ampoule. Est-ce que la salle, la machine est en forme ? On va vite fait. Par contre, il me faut des médecins. Et vite. Encore, mais sans intérêt, mal appris, sérieux. Ils sont nuls ces médecins. Alors la 3 étoiles, qu'est-ce qu'il faut ? Niveau 10. D'accord. Guérir des patients, ça va se faire tout seul. Taux de guérison de 70%. Ouais. Et un attrait à 65%. Et pour l'instant, je suis à 75%. Ça va. Pour l'instant, ça va. Défi des patients. Bon, parfait. Faut recruter. Mais il est nul. Elle est nulle. On attend. Ah, alors, qu'est-ce qu'il dit ? Un des meilleurs lieux médicaux de tout Point County, destiné à être une des destinations de choix pour tous les malades qui se respectent. Bravo ! $5000, 8 de réputation et 10K. Et on peut augmenter la séparation roll, oui, on va le faire, bien sûr. Et la réparer aussi au passage, oh. Voilà. Par contre, ils sont tous nuls. Je vais vraiment avoir besoin d'agents de maintenance, et vite. Des agents qualifiés. Nul, 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 nul. On s'en fout. Nul, nul. J'aurais dû mettre une deuxième salle de ça. Parce que là, ils sont à 3 guérisons sur 7. Avec plus des deux tiers du temps écoulé, je pourrais pas tous les guérir. Attends. Je pourrais pas tous les guérir, attends. Mal appris. Punaise, mais ils sont tous nuls les médecins. 4 sur 7, je vais pouvoir en faire un dernier, je pense. Ah, peut-être 6. Ça va être tendu pour le 6. Allez, vite. Allez. Ok, 6 sur 7. Ah, il manquait pas grand-chose, hein. On appelle la maintenance pour la réparation, sinon ça va prendre feu. Il manquait pas grand-chose, hein. Guéri. Ah, dommage. Enfin non, tant mieux, mais dommage. Du coup, défi 6 sur 7. Ok.
Bon, il le répare tout seul, ça va. Bon, côté médecin. Allez, oui. C'est bien. Il y a de l'attente ici ou pas ? J'ai pas l'impression. Il n'y a pas énormément d'attente pour la diag, la salle de diagnostic et la salle de pharmacie. Ok. Salle commune non plus. J'ai pas vraiment besoin de doubler les salles hein, pour le moment. Un docteur en psychiatrie, ben, y en a plein. Ah, il y a eu un décès. RIP. Bon. Combien j'ai d'infirmiers ? 4. On va prendre un infirmier supplémentaire. Et côté docteur. On va prendre ça. Allez, la deuxième année se termine. Pareil que l'année d'avant, sauf que bah, y a eu un mort. Dommage. Valeur de l'hôpital. Ouf. J'ai un petit peu quadruplé la valeur de l'hôpital. Bénéfice annuel 353 344. Taux de guérison de 84%. 61 guérisons dans l'année. Réputation 93%. Belle augmentation. Morale du personnel, petite baisse à 60%. On était à 64% tout à l'heure. Sauvegarde. J'ai 3 d'agents de 20 ans, tu rigoles quoi? Il n'y en a pas assez. Ils sont que 3. Morale du personnel à 75%. Ouf. Ouf. Ça, ça va être difficile. Bon, pour la troisième étoile, j'ai juste à augmenter le niveau de l'hôpital. Qu'est-ce qu'on me dit? Psychiatrie, oui, va donc. Bon, alors, il me faut du divertissement, il me faut de la déco. Ouais. Je vais remettre des photos. Non, sinon. On va faire du manège. Je sais pas où le mettre, mais on va le mettre par là. Un manège ici aussi. On va mettre un là-bas. Voilà. Ensuite, côté déco. Il faut des choses jolies. Mais grandes. Ça, ça c'est joli et c'est grand, ça. Voilà. Où le mettre? Voilà. Alors ici c'est un peu le bordel, beaucoup même. On va le mettre en plein milieu, tiens. Voilà. Morale du personnel, je suis à 65 sur 75. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? 64, ça baisse. Je sais pas gérer ça, en vrai. La réputation, un peu, pas beaucoup. Mais le moral du personnel, je sais pas le gérer. 63, ça baisse encore, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, attendez, je sais.
Voilà. J'ai accédé aux requêtes financières. Est-ce que ça réaugmente? Non, j'ai pas l'impression. Tant pis. Ah, on va voir l'inspecteur de la santé dans pas longtemps. 64%, j'ai gagné un petit pourcentage. Waouh! 65, ça réaugmente, génial. Si on embauchait un médecin supplémentaire. Ah, attendez. Attendez, parce qu'il y a ça qui va gêner, on va le mettre par là. Voilà. Pharmacie. Tac. Ici, la pharmacie. 1, 2, 3. Et là, on va faire une petite salle de restauration et tout. Ça va être tout beau, tout mignon. Par contre, il me faut une infirmière. Ah mais moi, troisième étoile, dis donc. La troisième étoile en une heure. Parfait. Félicitations. Il s'agit d'une distinction exceptionnelle. Il convient de fêter ça comme il se doit. Même si cette célébration est justifiée, il faudra qu'elle soit brève. Vous avez du boulot. On continue. Bon, on va continuer sur cette map. Parce que j'y suis bien sur cette map, après tout. Et on va faire des choses jolies. Enfin, on va essayer. Ça, c'est pas gagné. Alors, la poubelle maintenant. Voilà. Et il y avait le truc joli. Bonjour. Le truc joli d'ici, on va le mettre ici. En termes de divertissement, qu'est-ce qu'on... Ouais, il y a ça. Le téléphone, j'en ai mis ici. Non. Un téléphone là. Je vais mettre un téléphone ici. Ah, qu'est-ce qu'on me dit ?85%. On l'envoie en soin. Allez, on tente. Au secours. C'est moche de dire ça. Alors, un rapport. Un des meilleurs lieux destinés, blablabla. 5000, 8 de réputation, 10K. Ok. T'as mis une gomme. 82%. Mais j'ai tellement de salles de diagnostic, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ah, cardiologie. Évidemment. Cardiologie. Pharmacie, guérissez 4 par... Allez, tac. Étoile, dernière urgence là. Parfait, 5 sur 5. Yes. Bon, alors la cardio. Ils veulent une nouvelle salle de diagnostic différente de ce qui existe déjà. Donc, ils demandent une salle de cardiologie. Voilà. Qui est juste un cardio. Tout simplement. Hein. Mais attention, parce que cette chose crame. Et oui. Non, mais je vais pas mettre du golf là-dedans, c'est une blague. Par contre, extincteur, hein, obligé.
le café. C'est une salle de cardio, mais voilà, qui dit cardio dit sport. Il va falloir que je bouge le café. Attendez. Voilà. Et on va rigoler un peu. On va mettre ça. Non, pas ça. Ça. Voilà. Et le café, on le prend. Et voilà. J'en étais sûr. Oh, la rigolade. Bon. Morale du personnel. Ah, bon. Échec. Mais peut-être pas de beaucoup. Bon, par contre, 40 patients en beaucoup de jours, au secours. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire ici? Un, deux... On va mettre cardio. Pharmacie, j'ai ici. Hein. Diag, j'ai pas beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup d'argent par contre. Je suis trompé. Il me faut des agents de maintenance. Psy, pour l'instant, en deux salles, ça suffit. Pas. Ça, j'en ai qu'une. Voilà. Ensuite, j'ai qu'une seule salle de casserole là. Mais Ah bah tiens, il y a répa. On va la mettre là. Ça devrait attirer plus de patients, je pense. Là, c'est le gros bordel. Faut dire ce qui est, c'est le bordel. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, bon, ça, je m'en doutais un peu. Ah, le petit freeze, bon, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai pas en double? À part du... Oui, bon, du personnel. J'ai besoin de personnel. Ça, on est au courant. C'est tout, en fait. C'est tout. C'est tout. Ok. Bon, ben là, on... Ah Non, je vais pas faire une énorme salle commune. C'est tentant, mais non. Celle-là, elle est déjà sous-utilisée. Même s'il y a que 5 lits. J'avais dit 6 tout à l'heure, je crois. Il n'y a que 5. Hop hop hop. Ok. Ok. Ah, UNDC. Je vais embaucher deux infirmiers supplémentaires. Salle commune si tu veux. De l'argent si tu veux. Bon, maintenant, j'ai combien? J'ai 9 docteurs et 8 infirmiers. On va compter les salles d'infirmerie. Là, il y en a 2. Ça, c'est du docteur. 2.
3. 4, 5, 6, 7. J'ai 7 salles d'infirmiers. J'ai combien d'infirmiers ? 8. Maintenant les docteurs. Là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 salles à docteurs. J'ai 11 salles à docteur. Donc, je manque de docteur. Nul. 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 Je pourrais recruter des docteurs encore. Troisième année. Bah les mêmes prix que l'année d'avant, hein, tout simplement. L'hôpital qui a pris en valeur, les bénéfices, ouais, c'est un peu stable, guérison ça va, réputation ça va, le moral du personnel qui est remonté, ça va. Ok. Donc j'ai dit je voulais des... Oh mon dieu! Oh désagréable, c'est dommage. Il a tellement de compétences. Elle a tellement de compétences. Par contre, j'ai que 4 agents de maintenance. Mais ça a l'air d'aller. Donc on va rien faire. Côté réception, ça va. Je vais peut-être faire une autre salle de repos de l'autre côté. Genre là. Pas bien. Ça revient au même en fait. Hein. On va la faire là. Voilà. Mon dieu, j'ai vu la somme. 100 000, je crois que c'est, j'ai jamais eu ça avant. C'est quoi ça? Les maintenances, non. Le docteur. Ouais. Ouais, ouais. Bon, au moins, il y a eu les deux salles utilisées pour les urgences, là. Bien. Très bien. Donc, normalement, j'ai guéri tout le monde. 6 des 7 patients. Ah, il y a eu un décès. Bon. J'ai besoin d'agents de maintenance. C'est pas une blague. C'est pas une blague. J'ai besoin d'agents de maintenance. Et de docteur. Ah, il coûte cher. Mais il est bien. Maintenance. Ouais. Ouais. Quoi, t'es perdu? Il y a quelqu'un en plein milieu là, non? Le VIP s'est paumé? Comment est-ce qu'il a pu se paumer là-dedans là? C'était quoi ce bug? Je vais pas faire ça à chaque niveau. Hein. Améliorer une machine. Je viens de les améliorer, sérieux. Mais elles sont toutes améliorées, j'ai pas acheté une salle juste pour le plaisir là. Pause, parce qu'il y a le défi qui est loin là. 3. Ah, il y a celle-là qui est en cours. Ça va peut-être me la valider avec celle-là là. Ok. Il s'est barré.
Non, reviens! Mais je dois améliorer une machine! Ah, ça mange des carottes. Très bien. Allô? Le personnel? J'ai besoin de quelqu'un. Un agent de maintenance est demandé dans la salle séparacerolle numéro 2. Un agent de maintenance est demandé à la salle séparacerolle numéro 2. Punaise, mais revenez le personnel là. Il s'est barré. Ah, bah, j'avais une autre machine apparemment. Ok, bon, bah, validé. Nickel. Nickel, nickel. En attendant, j'y pense. J'ai des cudoches. Ah, il y a un décès, mince. On va acheter des choses. Comme ça, j'aurai pas à le faire dans les prochains niveaux. Genre ça, c'est important. Voilà. La pharmacie, elle est de l'autre côté. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai dit. Chocolat chaud, j'ai pas assez. Oh, le squelette. Qu'est-ce qu'il me fallait? Ouais, les posters, on verra. Les posters, c'est tellement utile pour up d'une manière un peu dégueulasse les niveaux des salles. On regarde ce que je peux acheter. Hein. La bibliothèque, j'ai dit que je voulais la bibliothèque. Une boîte à radiation, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais dire c'est pas excessif, mais j'ai que 265. Hein. Une boîte à chat. Oh, j'en veux une. Mais j'ai que 265. La prochaine fois. Là, on passe sur les tapis. Des posters. Une chaise cérébrale. D'accord. Il y a de ces choses quand même. C'est intriguant. Alors. Ah, le VIP qui était un peu déçu, sérieux? Bah quand même. Je suis déçu qu'il soit déçu. Marmitette, oui, on accepte. Élément, on continue notre recherche aux items à acheter. Le chocolat chaud, j'ai pas assez encore. Il y a des salles où il y a des items en commun, il y a des salles où Osef, c'est complètement des items très différents. Mais pour ça, il faut faire toutes les salles pour le savoir. Il y a par exemple une pipette géante. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est 60, hein. Les posters, et normalement c'est pareil. Voilà. Alors. Le moniteur, oui, je l'avais dit, je le voulais, mais dans la salle commune. Une machine d'exercice. Ah, mais c'est pour divertir, non. Un sac de frappe. En vrai, il y a la place. La balance. Bon, ok. Il y a plein de choses que je connaissais pas. Et après, de nouveau, c'est des choses similaires ailleurs. On va jeter un oeil à la salle... Non, d'abord à la salle de repos. Il dansait devant sa télé. What? Des tables, des lampes, des poufs. Plein de choses différentes. Un jeu d'arcade, le chocolat encore une fois.
Des tapis partout. On a vu passer Bouddha. Et ça, c'est de la VR, carrément. Guérissez 10 patients si tu veux. On va jeter un œil au Mermitête. C'est le dernier à être guéri, peut-être. Ah, il est là. Oh! Je crois qu'il s'est passé un petit truc. Il est guéri quand même. D'accord, tant mieux. Bon. 6 sur 7 patients, très bien. Je voulais jeter un œil. Oui, et la salle commune. Ah, la salle commune, il commence à y avoir du monde. Il va falloir faire une salle commune. On retient. Le moniteur mural. Oui, j'en voulais un. Mais ici. Balance. Chocolat. Tout ça. Et là, ça ne change pas. Okay. Alors, on copie. Et j'ai presque le million en poche, là. Ça m'est jamais arrivé sur un jeu comme ça. Voilà. On va mettre des bancs. Ils sont mal placés, les deux premiers. Par contre, ça veut dire infirmier supplémentaire. Nul. C'est nul. Ok. Oui, la salle de psychiatrie, je voulais voir. Parce que là, il y avait des choses intéressantes qu'on a vues au tout début. Voilà, c'est ça. Bibliothèque de... Oh, j'ai pas assez. Il me manque 15 QDOC. C'est ça que je voulais. 375 au total. Mince. Oh, oui. On a réussi les 10 patients. Par contre, il y a quelqu'un qui est pas content. La jambe maintenant. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, ils sont pas contents du tout. Bon, on va faire plus simple. Tac, tac. Tac, tac, voilà. Tout le monde est content. Je sais plus ce que je voulais faire. Allez, j'achète. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Un manège? Pas ouf ça. Mettre un manège. Un téléphone à la limite. Genre là. Ça va être une salle de téléphone, tiens, regarde, regardez. Tac. 3 téléphones, voilà. Bah, direct. Allez, 5 dollars. Et l'agent de maintenance qui voulait partir et finalement il reste. Parfait. Si on mettait des bibliothèques. J'en ai pas beaucoup. J'en ai même aucune. Pause. Le million! Le million! J'ai jamais eu un million sur un jeu comme ça. C'est la première fois, je suis ému. La bibliothèque. Ah mais là, il y a une fenêtre. Je pourrais, hein, mais il y a une fenêtre. Voilà. Et on a un nouveau défi VIP qui va arriver après.
Bon, bah, les mêmes prix que la dernière fois. Hein. Classement, l'hôpital. Oh mon dieu. Quasi 3 millions de valeurs d'hôpital. Waouh. 501 000 de bénéfices annuels. 85% de taux de guérison. J'en ai guéri 110 cette année. Réputation à 99%. Et le moral du personnel est stable à 65%. Je ne sais pas comment le faire monter. Je sais pas. À part les niveaux des salles, mais... En vrai, il faudrait que j'agrandisse toutes les salles pour mettre plus de déco, plus de confort, mais ça demande beaucoup trop de choses. De, voilà, c'est de ressources, de tout ce que vous voulez. Oh, il y a un petit rat, là. Dans Thème Hospital, c'était des rats. Ici, c'est pas des rats, ce sont des monobêtes. Voilà. Et on aura des missions... Ah, ben tiens, j'allais dire, on va avoir des missions liées aux monobêtes. Regardez qui est là. Une mission liée au monobête. Allez. On sait à peu près où est-ce qu'elles sont. Tout ce qui est lié à la bouffe ou au bouquin. Par contre, elles sont difficiles à attraper. Edwin. Il y en a là-dedans. Non. Ils sont mises ici. Ben oui. Et deux. Oh, à ma troll. Non. Où est-ce qu'elle va passer? Oh, je l'ai pas eu. Et deux, trois. Ensuite, ici. Ah, il y en a pas. Ah, il y en a. Raté. Oui, une. Je vais pas la voir. Non! Ah, derrière la bibliothèque. Non! Punaise! Ah, c'est bloqué. Dommage. Mission accomplie. Alors. Pharmacie, oui. Monobête, c'est fait. Fait cette cinquième année et je vais arrêter là parce que là je traîne un peu la patte, hein, c'est les premiers niveaux. Les premiers niveaux sont relativement simples, encore une fois. Ensuite ça se complique et ça va se compliquer assez vite. Tac. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Là, on peut mettre des choses pour le divertissement, là, j'y pense. On va remettre la bibliothèque. Là, ici, on peut mettre un manège, là. Ou autre chose. Genre un flipper. Ouais, on va voir. On va voir s'ils aiment le flipper. En vrai, j'en sais rien. Ici, je pourrais mettre une statue là. Décoration. On va mettre un truc là. Un truc là. Ouais, par là, là. Pas mal. Bon, apparemment, la mission VIP est validée. Pas quoi mettre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? VIP, waouh, c'est magique. Allez, génial. Une promotion. Et encore une fois, la pharmacie, hein, de nouveau. Il y a beaucoup d'attentes en psy ou pas? 4. 4. Ah, quand même, hein. Pas mal.
Ça, je le déplace. Pas mal. Ici, il y a... Ça manque peut-être de trucs à manger et à boire. Je sais que ça râle souvent sur ça. Donc, on va y remédier. Mais du LC, toujours le LC. Et bien sûr, la petite poubelle. Hop là. Nickel. Il y en a du truc, là ? Ici, oui. Au fond, là-bas, pas trop. Voire pas du tout. J'aurais dû faire un truc à manger, ici, plutôt. Ici c'est bon. Alors, guérir 80 patients. Ouh. En 90 jours, ça va être difficile. Hein. Ça va être très difficile. Oh, j'ai 235 Q-Doc. 2 secondes. Je veux acheter ce que je voulais acheter. La bibliothèque des traitements. Ouais, allez. Je peux la mettre en pharmacie ou pas? Ouais, je sais pas. Ça fait d'une salle de psy à quoi? Niveau... Ah, mais elle était déjà niveau 4. Ok. Bon, elle vient de passer niveau 4. Il y a un décès. En vrai, je pourrais faire un truc à manger ici, là. Nourriture et boisson. Carottes. Eau de pluie. Poubelle. Bon, bah, c'est un hôpital qui m'a l'air plutôt pas mal. J'aimerais bien atteindre les 20 patients. Bah 15. 20 patients sur 80, ouais. 80, je les aurais pas, ça c'est clair. 40, on n'a pas réussi la dernière fois, mais 20, ça serait pas mal. Bon, 17. Bon, si les 20, on va les avoir quand même. 18. Bon, on vise 30. Difficile de dire 30, là, en vrai. Côté WC, ça va. Hein. J'ai des WC assez propres. C'était pas le cas sur mes autres parties. Je suis content des toilettes. Ouais. Ouais, je suis content des toilettes. 22. C'est bien. Guérissez un pièce... Quoi, c'est tout? Patient VIP. Ah, pardon. L'un des cousins du maire ne se sent pas bien et cherche un traitement. Ce sont des patients de haute importance. On va avoir une belle récompense. Oui, encore une fois, quoi. T'as de l'argent, tu guéris plus vite. 3 mois, 180... Non, plus que 3 mois, 180. 6 mois. 180 jours pour le guérir? Bon, ça devrait aller. Allez, encore des promotions. Ah, oh, j'aurais pas les 30, je suis à 23 sur 80. Dommage ça. Le VIP est ici. Bon, bah tant pis pour ça. Mais on sait pas ce qu'il a, donc c'est un VIP, enfin c'est une urgence, mais qui a besoin quand même de passer par le généraliste. C'est pas comme les autres urgences où on sait quelles sont les maladies. La question est, en combien tième tu vas passer? Ah, direct. Ah non. Où il va? Ah, il a vide. D'accord, petit bouquin.
que je peux le suivre? Oui, oui, je peux le suivre, pardon. On va rien toucher. On va attendre, on va laisser sur lui. Par contre, j'ai plus le temps restant maintenant, par contre. Ça, c'est... Ah, ça y est, il est appelé. Il arrive. Installez-vous. Oui, bonjour. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ben j'ai mal aux intestins. Ah, il a mal au cœur, pardon. Il a mal au cœur. Il va en cardiologie. Je vais pas l'envoyer en traitement de suite, on sait jamais. Il est en deuxième position pour la cardiologie. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut faire du manège. Voilà. Il est content. Il y a des bancs, installe-toi. Ah, il s'installe de l'autre côté. Il tousse un peu, hein. Il tousse beaucoup, même. Ah, ça va être à lui. Voilà. Allez, installez-vous. On va courir un peu, hein. Respirez fort. Oui, c'est bien, bravo, génial, continuez comme ça. Allez. Il retourne chez le généraliste? J'aurais dû faire des salles de généraliste dans ce bâtiment. Ah, il va au WC. Ok. Et il va pas bien du tout, hein. Petit lavage de main. Voilà. Petit séchage de main. Voilà. Ça fait déjà 86 jours qu'il est dans l'hôpital. C'est absolument pas réel ce qui se passe dans cet hôpital. Au secours. Bon, dépêche-toi, on est le 30 novembre. Enfin, dans le jeu, encore une fois. Ah, ça y est, il faut manger. Faut boire. Petit coup de tel. Ouais, 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 je suis encore à l'hôpital, hein. Ah, maintenant il veut manger. Du chocolat. 20 dollars le chocolat, punaise, c'est cher. Heureusement que c'est pas la vie réelle. Ah, c'est bien, il a jeté la poubelle, il a pas mis partout, c'est bien. Pour l'instant, il est obligé d'attendre. Mon retour qui a failli pas planter. Le 25 décembre, allez, ça fait un mois qu'il attend son rendez-vous chez le généraliste. On dirait un rendez-vous ophtalmo, quoi. Bon, on pose. En attendant, il y a des notifs. Ça va être bientôt à lui. Ah, il discute avec la casserole. Bon, fin de cette... je sais plus combien d'années. Quatrième, cinquième, je ne sais plus. Attention, les récompenses. Les mêmes que... Bah, que voilà. Les mêmes. Un hôpital qui augmente sa valeur. Des bénéfices relativement stables. Un peu moins que l'année dernière, mais ça va. 85% du taux de guérison. 108 guérisons par an. 110 de l'année d'avant. 99% de réputation, 66% du moral du personnel, 65% l'année passée. Bon, ça va. Je ne sais pas comment augmenter le moral du personnel, par contre. Je ne sais vraiment pas. Par contre, le 1 519 000, j'ai perdu de l'argent, non? Parce que j'étais à 2 millions. Il manque 500 000, là. Je veux bien avoir du personnel, mais ça me coûte pas 500 000 à l'année. Hein. Ou par mois. Il va en pharmacie. Ah! Tout ça pour une chair de poule? Ah ben. Pendant ce temps, on a l'inspecteur de la santé qui fait de la visite. Oh punaise. Oui, il répare la machine. J'ai un VIP, il faut qu'il soit en pleine forme. Et il reste que 30 jours pour le VIP, pour la guérison. 30 jours. C'est hyper long. Et il est guéri! Enfin, c'est pas trop tôt.
Résultat, bah, 10 000 dollars de récompense, 5 points de réputation et petit 10 kudosh, petit 10K. Voilà. VIP, il est où? Il est dans les parages là. Bon, je ne sais pas où il est. De toute façon, j'ai que 3 salles de psy. Hein. Moi, j'ai que 3 salles de psy. Donc, il est par là. Ouais. On va attendre son résultat. Ah, il est là. Ah oui, il était chez le psy, ouais. Bon, le temps qui amène le résultat. Zoom sur le feu de cheminée. Oh, mais ça produit de la chaleur en plus. Trop bien. Ça m'évitera de mettre des radiateurs dans les prochaines salles de psy. C'est trop bien. Et niveau 4, hein. Hmm. En vrai, cet hôpital, il est pas dégueu. Hein. Incroyable. Oh, sérieux? Il est sévère. Je dis que l'hôpital est franchement, ça va. Et lui dit, il est moyen. Sérieux. C'est sévère. Hein. C'est vraiment sévère. Bon. J'avais dit que je terminerais sur l'année 5. Oh là là, il y a le bordel chez les généralistes. Bon, ça ira. Ouais, il y a vraiment le bordel chez les généralistes, par contre. Ah, un nouveau défi. Bon. On fait ce défi. Et après. On quitte. Ah, il y a eu un mort. On va changer d'angle de caméra un peu. Je suis caché derrière le micro en fait. Pardon. Je sais pas comment le mettre. Hop là. Bon, j'ai du retard sur l'argent par rapport au défi. Hein. Je re-recrute quelqu'un en accueil là ? Sérieux? Ça m'embête. Non. 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 Suspense. Non. Eh ben tant pis. Allez, encore 45 jours. Mais il y a vraiment du retard, par contre. Le 200 000, ça devrait aller, mais 400 000... 400 000, c'est difficile. Peu motivé. Mais donnez-moi des gens bien. Quand même. Ah, le 200 000, presque. Ah, de nouveau, il y a les deux agents d'accueil. Allez, 200 000, c'est fait. Ils sont tous nuls. Petit profit, hein. Enfin non, en vrai, ça va. 102 000 sur le mois, waouh. Ah, nouvelle urgence. Le jeu qui veut pas que je quitte. Ah. Ouais, il manquait pas, quand même, ouais.
J'ai fait deux tiers, on va dire, du défi personnel. Deux tiers. C'est pas dégueu. Bon, l'urgence en pharmacie, ils arrivent. Est-ce qu'ils vont dans les deux salles ou pas? Ouais, ils se posent dans les deux salles. Ah bah, mon dieu, on dirait l'élève du Cobu, lui. Pour ceux qui ont la ref. Ah, voilà quelqu'un d'intéressant, mais qui coûte très cher. C'est pas grave. Bon, où est-ce que je vais la mettre, cette troisième réception? Bah là, en fait. Attendez, on peut s'embêter. Non, c'est bon. Là, ici? Ouais. C'est juste pour soulager l'entrée qui est très chargée. Oh mais j'ai pas vu, ils ont un petit poste de radio et tout. Trop bien. Des crayons, l'imprimante, la petite sonnette. Ils sont bien équipés. Hein. Je pourrais acheter l'autre bâtiment, mais il ne me servira à rien. Allez, encore un défi, génial. En fait, je vais terminer l'année 6. Je vais faire une sixième année, en fait. Bon, ça c'était le résultat du défi d'avant. Par contre, les généralistes... Non, ça va. Il y a une... Ah si, quand même. Ça commence à manquer de généralistes. Dommage. J'hésite. Parce qu'en vrai, je pourrais faire une salle. Ouais, non, maintenant il y a une porte là. J'ai rien dit. Ou alors je. Non, non. Il y a encore un bâtiment que j'ai pas acheté. Hein. Celui-là, là. Mais il me sert pas à grand-chose là, sur ce terrain. En fait, c'est pas qu'il me manque des médecins, parce que dans les autres salles, là, ça se passe bien. Donc non, c'est juste, ça va, en fait. Raté. Et côté infirmerie, ça va. Ça a l'air d'aller aussi. J'ai pas besoin de plus de personnel que ça, en vrai. Ah, mince. Dit-il. Ok, non, si, j'ai peut-être besoin de médecins, en vrai. Ils sont tous en pause. Il y a un médecin qui sort de pause. Ouais, ils étaient en pause. Allez, encore un défi. Génial. Bon, allez, il me manque deux patients, là, à guérir. J'ai moins de recettes. Hein. C'est bien, les patients, c'est fait. Bon, on va faire le défi du personnel de la de l'inspecteur de la santé. Parce que ça me rapportera des petits cas. S'il me donne 20, 25... Ouais non, il va m'en donner 5. Il va m'en donner 10 grand max. Parce que j'aurais bien voulu acheter l'autre bibliothèque. Oh, mais attendez, regardez. Il y a un petit truc, là. Que je peux mettre en grand. Ici. Il est là, je crois. Beaucoup plus grand, lui. En vrai, voilà. Ah, voilà, il était content. Et là, de nouveau, j'ai le double des recettes du mois d'avant.
Va comprendre. Bon, il est où cet inspecteur là? Ce VIP? Je crois qu'il n'est pas encore arrivé à dans l'hôpital. Un PNJ avec une couronne sur la tête, ça se voit quand même. Je suis aveugle ou bien? Je fais un point sur la réparation des machines. Tac tac tac. Ici, il n'y en a pas énormément. Allez, un défi d'argent, 100 000. Bah tout ça va, 100 000, ça va. Ça devrait être fait. J'ai presque envie d'enlever ce banc là. Il gêne tout le monde, je vais le mettre là plutôt. Voilà. Le temps que je déplace un banc, j'ai déjà gagné 50 000. Sérieux? Eh ben. Où est le VIP? Par contre, sérieusement, le VIP, il est où? Oh, punaise, j'ai vraiment besoin de nouvelles salles généralistes. Et une urgence marmitette. Mon dieu, mais je vais jamais quitter ce stream. C'est un jeu très prenant. Et les mêmes récompenses que les années d'avant. Quel suspense. Bah tout est stable en vrai. Tout est stable. Le moral du personnel a un peu baissé. Mais sinon tout est stable. Et j'ai besoin de salles de généralistes. Au secours. Beaucoup de salles de généralistes. Donc, on achète ça. Voilà. Marmitette, pardon. Les urgences marmitette. Y'a personne. J'ai besoin de personnel. Mais ils sont tous nuls. Voilà. Où sont les médecins? Le bâtiment est construit. Ah quand même, le médecin il arrive. La moitié du temps va être passé, mais c'est pas grave. Positif, mais fatigue facilement. Punaise! Bon. J'ai dit. Alors déjà des WC. Obligé. Les WC, c'est obligé. On va même les mettre en plein milieu. Ensuite. Salle de généraliste. Je peux en mettre combien? 1, 2, 3, 4. Là, je dépense. Hein. Clairement, là, c'est de la dépense. Oui, j'arrive. J'arrive, les patients, j'arrive. 2 secondes. En face, ce sera des salles genre pharmacie, cardio, etc. Bon, les médecins. J'ai besoin de 4 médecins. Je te prends, toi. Ensuite, j'ai dit pharmacie, cardio, diag. Ça veut dire aussi infirmerie. Main verte, allez, je t'achète.
Infirmier. Bougon, non. Toi peut-être. Toi non. Toi ouais. Toi non. Toi oui. Toi oui. Maintenance. Oui. De toute façon, il va y avoir beaucoup plus à faire. Et le médecin. Non. 7 sur 7. Mon dieu, les marmitons, ils sont passés. Je pensais que ça allait être la catastrophe, les marmitons. Et quoi que j'ai copié, la diag ou la pharmacie? La diag. Donc, la cardio. D'abord la cardio. Alors, pourquoi faire ça? Plus les différentes salles sont rapprochées, moins le patient parcourt et fait sa randonnée dans l'hôpital. Tac. Tac. Embaucher médecin. Bougonne, non. Pas oui. Non. Oh. Ensuite, petite salle. Hop là. Ça, on va mettre une. Non, ça, on va en faire une troisième. Comme ça, j'ai mes salles toutes jolies ici. Ah, il y a eu un décès. Il y a eu deux décès. Là, on en profite pour monter. C'est de la dépense. Hein, vraiment. Mais j'ai beaucoup dépensé. J'ai presque 2 millions. Ça veut dire que les mois d'avant étaient bons. Parfait. Ici, il faut manger et boire. Donc, il dit manger et boire. Tac. Tac. Non, les carottes. Plutôt les carottes. De l'eau, la poubelle, le téléphone, si, le téléphone, deux téléphones, une salle de repos, de repos caché, comme ça il y aura que les personnels qui viendront ici. On va même attendre une deuxième, et là on pourra remettre des salles spéciales, mais je n'ai pas besoin de plus que ça, sachant que ça c'est déjà une salle spéciale ça. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Des décès, au secours. Décès 90 jours. 90 jours d'affilée d'ailleurs. Alors les docteurs. J'achète, oui. Non. Non. Et là, j'ai tout un blanc d'hôpital qui sert à rien. J'allais dire, est-ce que je ferais pas une salle commune supplémentaire? Mais en fait, non. Les salles communes sont déjà sous-utilisées. La première, un poil était surchargée. La deuxième, ça va. Ah, quand même. 4 hein. 4 en attente de l'autre côté. Et là, ça va. On repasse la barre des 2 millions avant de redescendre, peut-être. Non, c'est bon. Par contre, mon inspecteur de la santé, je sais pas où il est. Hein. J'en sais rien du tout. Sûrement qu'il s'est encore bloqué dans un mur. Mon dieu, si c'est ça, attendez. Où est-ce qu'il est? Où est l'inspecteur de la santé?
mais sérieux. Oh mon dieu, il est cher. Il est tellement bien. Bon, par contre, l'inspecteur de la santé, c'est vraiment paumé. Mais il doit s'être paumé sur les... sur le trajet, je pense. Ah, on passe en négatif dans les profits, c'est pas bon. Tutut. Tutut à toi aussi. Bon, je sais pas. Ah, urgence en psychiatrie. Ça devrait bien se passer, la psychiatrie. Je me redresse un peu. J'étais plus centré, en plus. Bon, en fait, j'aurais fait la septième année. Hein. Enfin. Bon, j'ai raté le défi des décès. Hein. Enfin, des non-décès, plutôt. Alors on repasse en plus. Plus 32 000, ça va. C'est dommage que quand on passe au niveau suivant, c'est dommage de ne pas conserver l'argent d'avant. On commence par défaut avec une somme d'argent. Là, j'aurais bien commencé le niveau 3 avec 2 millions, quoi. Mais non, ça sera pas le cas. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, en même temps, si on est en négatif dans un hôpital et qu'on peut passer au niveau suivant, on va pas commencer l'hôpital suivant en restant dans le négatif. Donc... Nouvelle salle de diagnostic, t'es sérieux? Il y en a plein. Y'a que ça. Je peux rien construire de supplémentaire. Hein. Pourquoi une quatrième salle psychiatrique? Sérieux? Bon, ils sont où mes urgences psy là? Ils sont où les gyrophares? C'est une urgence en psy. Je sais pas où ils sont. Améliorer une machine. Mais je viens de le faire. T'es sérieux? Je vais être obligé d'améliorer une machine juste pour le plaisir. Tac, en plein milieu. Voilà. Tac, et quand la quête sera terminée, on vendra la salle. Où sont les urgences psychiatriques? J'ai perdu mes... En fait, j'ai perdu mon inspecteur de la santé, j'ai perdu mes gyrophares. Pas où ils sont. Les déblock stars, c'est tout ce qui sont en jaune. Là. C'est eux. Mais c'est peut-être ceux-là, hein. C'est peut-être les 4. Il y a 5 jaunes. Bon, ok, d'accord. Je sais pas où ils sont. Le jeu a peut-être planté en me disant... Non, mais en fait, ils sont partis dans un autre hôpital. Mince, attendez, je l'ai posé, mais j'ai cliqué, moi. Oui, c'est bon, il est en train de le faire. We're close to awards. 155. C'était 175, hein, la deuxième bibliothèque que je voulais. Suspense. Quel suspense! Bon.
un peu plus de bénéfices, la valeur de l'hôpital qui augmente toujours, un peu plus de guérison. Par contre, le moral du personnel a bien baissé. Hein. Ça, c'est pas cool. La sauvegarde. Je pense que mon urgence quatuor, en fait, ils ont été envoyés, mais ça a dû planter et ça a pas dû compter comme une urgence. Donc, ils ont possiblement été guéris sans que ça passe dans la quête. Dommage. Ah, parfait. 10K. Allez, on la vend. Voilà. Oh, mais j'ai 195. Hop, 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 viens là, toi. Oui. Oh, elle est grande. On va cacher le tableau. Non. On va quand même la poser. Voilà. Ah mais là, il y a déjà un truc. Eh oui, voilà. Nickel. Mais c'est pas... J'ai mis la même. Je suis idiot. Voilà. Tac. Tac. Et tac, voilà. Oh mon dieu, 10 en psychiatrie. Ah mais c'est parce qu'il manque de l'autre côté, ok. Bon. J'ai mon inspecteur de la santé qui est paumé. Hein. Donc cette quête-là, je ne pourrais rien faire. Et le quatuor, attention, j'ai guéri 0 parce que... je sais pas où ils sont. Et échec 0, donc c'est qu'ils sont jamais arrivés. Hein. Voilà. Bon, il va être temps d'arrêter, pour de vrai, au bout de 3 années supplémentaires. J'avais dit que j'arrêtais il y a 3 ans de jeu déjà. Soit il y a 1 heure de jeu, enfin 1 heure en temps de la vie réelle. On retourne à la carte. A warm greeting to you all this fine morning, especially those of you in Fluttering, where renovations have been completed on the bridge that leads to the town's ancient castle. Fluttering est accessible. People crossing over will no longer need to wear parachutes and life jackets. Ah, it just won't be the same. Le petit 3 étoiles qui fait plaisir. Bon, on a des récompenses à récupérer. Gagner 10 millions. Oh, dommage. J'aurais pu continuer un petit peu plus sur l'hôpital là maintenant et j'aurais pu avoir ça. Dommage. Alors, gagner. Bon, gratuit. Allez, gagne 100K. Ça, c'est fait. Ensuite, réparer les machines, ça se fait tout seul. Arroser des plantes. Allez, 100K. Améliorer des machines. Allez, je prends. Obtenez une valeur d'organisation. Ça, c'est sur tous les hôpitaux. Au total. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça, on verra plus tard. On verra plus tard. Et sur 2 hôpitaux, j'ai guéri 851 patients quand même. Enfin, j'ai guéri. Mon personnel a guéri. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc la prochaine fois, sur Two Point Hospital, niveau 3 sur Fluttering. Et là, on vient de faire le niveau 2 de Lower Bullox. Voilà. C'était rigolo. Retourne au menu, on sauvegarde et on va s'arrêter là. En attendant, bon bah il y a du Pokémon Unite hein, tous les jours sur la chaîne. À quelle heure? Bah cliquez sur le bouton suivre et au moins quand ça sera le cas, vous le saurez. Il y aura de nouveau du Two Point Hospital prochainement. Il y aura d'autres choses. Rejoignez Discord.
Twitch, pensez à aller sur YouTube, voir ce que vous avez raté. YouTube, si vous ne connaissez pas Twitch, bah, venez. C'est en direct, c'est chouette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était Jake, sur Rive à son studio. Bah, c'est tout en fait. Voilà. Prenez soin de vous. Bonne nuit. À demain. Cordialement, bisous.